Salut tout le monde, welcome back to your Dell News, votre show radio web, eh oui. Yeah, aujourd'hui on est le 22 mai 2019. Je vais arranger un peu mes settings, j'entends absolument rien. Là, ça a l'air de quoi? Ah bon, ok, là je m'entends. Ça a plus de sens. Alright. De quoi qu'on parle aujourd'hui? En fait, bon, je vais vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui à date, jusqu'à maintenant. J'ai dormi. J'ai dormi pendant 8 heures. Je me suis levé un matin. Après ça, j'ai préparé mon stock parce qu'aujourd'hui, j'allais avec Tristan pour... j'allais pratiquer... dans le fond, préparer les formations pour les gars en fin de semaine pour la simulation militaire airsoft. Puis on allait tirer aussi pour ajuster nos guns. Fait qu'on a fait ça. On est revenu. Présentement, il est 2h15. J'ai fait mon petit daily news. Parce que ce soir, je travaille. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va aller tout de suite dans le sujet. No waste of time. On va parler de... Le propriétaire du zoo de Saint-Édouard arrêté pour cruauté animale. J'en parle parce qu'on n'en a pas assez entendu parler aux nouvelles. J'essaie d'être original. Non, pour vrai, j'en parle juste à cause que ça m'intéresse. Les autres nouvelles, c'était pas bien, bien intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler déjà. Mais, I don't care. Alright, fait qu'on va lire ça. Ça a sorti, dans le fond, ça a sorti hier à 9h15. Ça va comme suit. Lions, tigres, zèbres, kangourous, des centaines de bêtes ont été sauvées par des organismes de défense des droits des animaux mardi en Mauricie, tandis que le propriétaire du zoo de Saint-Édouard de Masquinongé a été arrêté pour cruauté animale. Normatrain a été remis en liberté sous plusieurs conditions au terme de sa comparution au palais de justice de Trois-Rivières. Il fait face à deux chefs d'accusation en matière de cruauté animale. Une vaste perquisition s'est déroulée mardi sur le site du zoo, situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Trois-Rivières, afin d'étoffer la preuve qui sera présentée contre M. Tran. C'est une enquête de la SPCA Montréal en collaboration avec Human Society International Canada et la Sûreté du Québec qui a mené à cette opération. Installation délabrée. Pour les animaux qui ont besoin de soins médicaux, on a une équipe médicale sur place pour régler ces problèmes-là. On est en train d'évaluer les animaux, mais clairement, nous avons vu des situations où certains d'entre eux auront besoin de soins, a expliqué en conférence de presse Ewad Damianowicz, je ne sais pas tout c'est qui, porte-parole de Human Society International Canada, qui se spécialise notamment dans les sauvetages de masse d'animaux en difficulté. Madame L a également indiqué que plusieurs pensionnaires du zoo avaient été gardés dans des conditions inadéquates et dans des installations délabrées sans donner plus de détails sur les mauvais traitements ni établir un décompte précis des bêtes. Protéger les animaux. Ce propriétaire du camping du zoo de Saint-Édouard, Léo Baudouin, s'est dissocié de la présumée cruauté animale dont aurait fait preuve son voisin. On est deux propriétaires différents, je n'ai rien à voir avec ses activités. À lui, a dit d'emblée M. Baudouin. Ce dernier a toutefois admis que certains campeurs lui ont déjà fait remarquer que certains animaux du zoo semblaient amaigris notamment. Déjà venus au camping et allés ensuite au zoo, bien honnêtement, il y en a qui n'étaient pas tellement contents de leur visite au zoo, a indiqué M. Baudouin. Bon. Alors, le propriétaire du zoo de Saint-Édouard a été arrêté pour cruauté animale. C'est sûr qu'il va avoir des répercussions par rapport à la ville de Saint-Édouard. Il y a le Miller Zoo qui a déjà levé la main pour accueillir les animaux. Le Miller Zoo, ils ont fait une émission là-dessus. C'était quoi déjà le nom de l'émission? C'était... C'était quoi déjà le nom? C'était ça? En tout cas, le Miller Zoo, ils ont fait une mission là-dessus. C'est deux propriétaires, en fait un couple, qui récupère les animaux qui ont été mal gérés, si on veut. Puis
Fait que c'est ça, eux autres ils ont déjà levé la main pour avoir certains animaux que le zoo de Saint-Édouard avait. C'est déjà une bonne nouvelle. Ils ont déjà possiblement un foyer. Fait que, ouais. Va-t'en à la prison! Fait que le zoo de Saint-Édouard, d'après moi, ça va arrêter, ça, là. Parce que là, plus personne va vouloir aller là. Puis il va fermer, c'est sûr. I guess, là. Si c'est pas déjà fermé. En fait, tous les animaux vont être retirés. Fait que c'est sûr que. Un zoo sans animaux, ça va pas très bien. Fait que, ouais. Une bonne nouvelle, en fait. C'est sûr que c'est pas le fun, mais. C'est fun de l'avoir trouvé. Que. Le pas l'avoir trouvé. Ça aurait juste continué. Ça aurait été de pire en pire. Mais là, on aurait tout de ça là. Déjà bon. Fait que c'est ça. Un peu freestyle. Je sais pas trop quoi te parler. Que je peux. Ah ouais, y'a Yann qui m'a contacté. J'étais fou comme la merde. Yann m'a contacté, il m'a envoyé un message sur Facebook. Il en a parlé hier dans son Daily Buffer podcast. Mais quand j'ai écouté son Daily Buffer podcast, il m'avait déjà envoyé un message. Il voudrait que je tourne un documentaire avec. Il m'a dit « Hey buddy, tu fais quoi samedi? J'ai fait un documentaire sur les 50 ans du rooftop des Beatles. J'ai un gars qui va peut-être m'accompagner, mais je prendrais bien un troisième caméraman. » Fait qu'il y a des bonnes chances que j'aille faire ça avec lui. Je prends enfin le voir. Comme une groupie. N'importe quoi. Mais ouais, fait que ça peut être quand même cool. Faire un projet avec Yann. Faire un documentaire. Il aurait besoin de moi pour filmer, fait que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a tous les deux la même caméra, lui aussi, une T7T Rebelle. Fait que... Why not? J'ai pas vraiment encore de nouvelles là-dessus. Je sais pas où c'est que ça s'en va. Et... Sûrement, il va sûrement le contacter après, de voir... où c'est que ça s'enligne, tout ça. Mais ouais, je trouve ça bien emballant. Puis au pire, si ça marche pas ce coup-ci, il va sûrement me recontacter pour un autre projet. Là, je suis pas inquiet. En fait, fingers crossed qu'il va me recontacter pour un autre projet si jamais ça marche pas. Mais ouais. Le seul bug que j'ai, c'est qu'on a tous les deux la même caméra. Puis elle est pas waterproof. Puis c'est niaiseux, mais samedi, elle annonce la pluie. Fait que je sais pas si lui, il tourne ça à l'intérieur ou c'est à l'extérieur. Parce que s'il tourne ça à l'extérieur, mais. Houston. We got a problem. Mais bref, on va voir. Je sais pas si je vais vlogger ça. Là, on aurait dit que j'ai comme trop de projets par rapport à la caméra qui se passe en même temps. Je suis comme... tu sais, documentaire, là, je viens d'en faire un, mais là, ça se pitch partout. Là. Il va falloir que... J'arrête, puis comme je tick sur un projet, là, coup de genre. Là. Donc que je me fasse un planning, c'est parce que j'ai pas de planning, j'ai pas... C'est go with the flow, là. C'est vraiment comme... no stress, mais en même temps, c'est que ça m'empêche de... Le fait que, genre... Je me mette pas des... mais pas des barrières, mais je me mette pas des exigences, à part le Daily News, que c'est vraiment comme à chaque jour. Le fait que je me mette pas d'exigences vraiment avec le vlog pis le documentaire, ça fait en sorte que comme... Ça va nowhere un peu, là, fait que... Ouais. T'sais, j'aimerais ça faire un open mic aussi. T'sais, l'open mic, j'aimerais ça filmer ça, j'aimerais ça vlogger ça. Comme, il y a trop de choses que je veux faire en même temps. C'est vraiment ça, le gros problème. Ouais. Ouais, fait, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. On fait ça short and sweet. Aïe aïe aïe. Fait que... Merci d'avoir écouté votre Daily News, tout le monde. Ça a été vraiment short aujourd'hui. J'ai essayé demain de... Parce que les nouvelles sont pas... super fun à... Ben, pas le fun à parler, mais je veux dire, il n'y a pas full nouvelles... Fait que, faut vraiment y aller comme niche, là. Mais bref, merci d'avoir écouté votre Daily News, votre show radio web.
Merci encore une fois d'être fidèle au poste. On se retrouve demain pour le troisième Daily News de la semaine. Demain jeudi, le 23. Fait que si vous voulez regarder le Daily News d'hier, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez suivre ma chaîne YouTube, vous abonner, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez me suivre sur Instagram, le nom apparaît en dessous. Merci tout le monde d'avoir écouté votre Daily News. On se revoit demain pour un prochain épisode. Ciao, bye, à demain.